Mesdames, demoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Réaction, c'est une tranche de contact pro-live où nous réagissons sur l'actualité qui tend à demeurer ou à persister au courant de la semaine. Donc, nous sommes presque fin de la semaine. Vous êtes nombreux, peut-être, qui vont me suivre en début de semaine ou vous êtes ceux qui sont en live sur Instagram. Nous sommes en direct sur Instagram et bientôt nous allons être aussi en direct sur TikTok parce que vous êtes aussi nombreux de ce côté-là que vous êtes en train de me suivre. Je vous demanderai tout simplement de nous aider à ce que nous puissions réaliser ce rêve-là d'être aussi en direct sur TikTok. Parce que là-bas, il y a beaucoup de gens, mais il nous reste tout un petit nombre de gens pour que nous puissions finalement être en mesure d'être en direct sur TikTok. Donc, merci pour votre fidélité. Donc, merci encore une fois de plus pour la confiance que vous ne cessez de me témoigner en ouvrant mes vidéos. En tout cas, c'est vraiment quelque chose que je me dis, je ne sais pas comment vous remercier. Peut-être que vous trouvez aussi intérêt à ce que nous puissions continuer à faire ce travail que nous nous sommes assignés, à réagir ou bien à apporter notre petite pierre pour la reconstruction de notre pays. Mes chers amis, l'actualité est prédominée par ce qui se passe à Addis-Abeba. Beaucoup de gens, beaucoup de vidéos, des journalistes ont parlé de cette rencontre-là entre Félix Tshisekedi et Kagame. Aujourd'hui, je vais encore vous éclairer sur mon point de vue, qui n'est pas différent que j'ai parlé depuis longtemps. Comment est-ce que j'entrevoyais les négociations que absolument Kinshasa voulait faire avec Kagame? Moi, je me suis dit, j'ai mon point de vue que je vais encore essayer un peu d'expliciter ici. Donc, notre émission d'aujourd'hui va tourner tout autour de cette rencontre qui était depuis hier, le 17. Donc, c'était avant la réunion de l'Union africaine. Donc, il y a eu passation de la présidence. C'est un Mauritanien maintenant qui est président de l'Union africaine. C'est lui qui a été là pendant une année. C'était un monsieur du Comore, je crois, du Comore. Du Comore, je sais, je comprends, c'est du Comore. Alors, cette actualité prédomine, beaucoup de gens ont dit que non, bon, Fatih a rencontré finalement. Et l'issue de cette réunion-là, hein, parce que ce n'est pas ça là, mon but, mais je vous donne quand même, l'issue de cette réunion-là a été une réunion très tendue où chaque parti a demeuré de son côté, Mutunamutu, Akangi, Naoyo, Alingi et Salema, Ponambo Kanae. Donc, pour Félix Tshisekedi, il est resté de marbre en disant il faudrait que Kagame cesse qu'il quitte pratiquement le Congo si il veut qu'on négocie. Il faut d'abord que si Kagame ou Lorenzo, ça c'était ça, ces conditions. Il faut que les Rwandais puissent absolument quitter d'abord sur le sol congolais. Ça, c'était absolument imperturbable. Et ça, c'est la position de Fatih. Donc, il faut que les Rwandais quittent. Comme on a reconnu que c'est le Rwanda qui est le backup de M23, il faudrait d'abord qu'il quitte les territoires congolais. Et puis, il faudrait que pour lui, tu sais qu'il faudrait qu'il y ait cantonnement de ces M23-là. Il faudrait, il y a, vous avez lu ça. Donc, tout ce qu'il a dit, cantonnement, désarmement, tout ça, des M23, avant que de poursuivre tout ça, il est resté de marbre. Il ne veut pas renégocier avec le M23. Il négocie avec, il parle avec, parle pas, c'est pas ça, une négociation selon moi. Il a parlé, il a demandé à Lorenzo, il lui a montré ce que lui voulait, à ce que les choses puissent aller de sa volonté là-bas. De l'autre côté, Kagame a dit, vous devez causer avec vos protégés Tutsi rwandais, qui sont dans les, disons, Tutsi congolais. Et il s'est montré comme un protecteur. Bon, c'est ça que les Congolais vont dire. Les Congolais disent que non, le Rwanda Kagame est en train de protéger une tribu qui n'est même pas sur son sol.
Ça, ce sont les réclamations de Kagame. Il dit non, vous devez protéger les Tutsis qui sont sur votre territoire. Et vous devez cesser aussi de collaborer avec les FDLR qui sont mes ennemis. Et tout le monde est resté de marbre dans sa position. Donc, nous rentrons pratiquement à la case du départ. Il n'y a pas eu quoi que ce soit, ni avancé, ni quoi que ce soit dans ces négociations de Nairobi. Voilà un peu ce que je peux vous dire, ce que j'ai comme information sur ce qui se passait là-bas. Maintenant, entrons maintenant dans le vif du sujet. Dans le but du sujet, donc, de sujet, il y a insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas seulement le M23 qui entretiennent l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a des groupes armés, il y a beaucoup d'autres groupes armés, ils sont comptabilités. Au dernier comptage, ils étaient au nombre de plus de 150 groupes armés opérant en République démocratique du Congo. Faut-il aussi faire cantonner ces groupes armés, les désarmés? Qui doit être chargé de les cantonner et de les désarmer? Est-ce que c'est le gouvernement congolais? Est-ce que c'est la MONUSCO? Est-ce que c'est l'EAC? Est-ce que c'est la SADC? Voilà toutes ces questions-là qui demeurent, en fait. Ces questions-là demeurent sans réponse. Et donc, pour moi, cette rencontre avec Kagame, ce n'était qu'un passe-temps. Tozo yebate makamuni nyango tozo kende kosorola kuna. Est-ce que outcome, comme on dit en anglais, ba solution oyo Kagame na Tshisekedi bakolo bakuna, est-ce que implication nango, réalisation nango, est-ce que s'applique sur qui? Qui va les appliquer? Ba question ananyoso, est-ce que c'est l'Angola? Est-ce que c'est la SADC? Est-ce que SADC est tangu tozolo ba ke SADC est komi kuna? Est-ce que y'a qui na bénédiction ya Lorenzo? Est-ce que connaît Lorenzo Azoye ba coopération Afrique du Sud tangu azo tinda 2900 soldats na Congo kuna, na Est? Et donc, nous entrons dans un ambroglio où biso moko tozo yebate et kosuka wapi et bandi wapi et kosuka wapi. Ça, c'est selon moi. Et merci pour vous qui avez confiance et qui ont réagi d'ailleurs dans l'émission Asuka Tolobela qui likambo oyo. Batu ebele ba pesa kinga rezo balobi solution ko uta kunate. Et donc, ici, nous sommes en train encore de voir que Kagame azo zwa raison kaka. Kagame azo zwa raison kaka sur Tshisekedi parce que soki toza banani yango bazo souffrir. La guerre n'est pas sur le territoire rwandais. La guerre est sur le territoire congolais, s'il vous plaît. Bitumbeze pa na biso. C'est là le grand problème. Batuo baza kokufa ebele eza biso. Kojalti ou bien batuo bakufi na kiyole la eza ba congolais. Et là, Kagame est en train de se dérober. Na yo ki interview na mususa lobi ko problème wana kote kuna eza na batusi moko boye baloba kinyarwanda bazala na Congo bazaba congolais Tshisekedi azoloba ke non eza problème na ngai. Moi je peux reconnaître que ces gens là selon lui ke batwana baloba ka munoko moko na biso, mais il faut aller au-delà de ça. Quel est le message que Kagame est en train de renvoyer à Félix Tshisekedi et que Tshisekedi a zako comprendre te? Parce que mutu na mutu bango nyoso tu bazana défensive. Tout le monde se défend et personne ne peut dire que non nga mutu na kosede. Or na kuna ndenge wa mutu na mutu azako se défendre na zako se défendre wana nani aza perdant? Le perdant c'est celui dont qui souffre de ces massacres, qui souffre de ces atrocités de la guerre. Guerre eza kaka mutu porti moko ne mutu eza ko kufa batu azo kufa te. Tozo mona, bon, ngana linga mingi koloba makambo ba réseaux sociaux te. Oh bazako lakisa, oh non, de génocide, oh boye, génocide au Congo, bo sali ba geste tout ça. Wana eza ko alimenter kaka ba réseaux sociaux, mais la réalité c'est quoi? La réalité c'est que même na côté na biso, même na côté à M23 batu bazako kufa. Et batu bazako exprimer nini? Ya koloba tokei toko sala ndenge otu. Donc batu bakufa pourvu que nous puissions gagner. Mais je sais que il n'y aura jamais un gagnant et un perdant dans ce que nous vivons là à l'est de la République démocratique du Congo. Ces gens qui sont là vont accepter de mourir
jusqu'à la dernière goutte de sang. Que ça soit du côté congolais, na ndenge otozo moyo kaki tshiseke d'aza de décider que asili sa likambo ya ba M23. Likambo tshiseke d'aza décider que asili sa yango. Kosili sa yango, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il faut chasser absolument les M23 par la force. Et c'est ainsi. Il faudrait maintenant que quand vous décidez que non, tozo kende par la force, alors ba casualty o ekozala Babiloko eko bimakuna, vous devez le supporter. Congolais lingiri susu, ata litanga ya makila ya bana Congo etanga li susu te. Et celui qui est chargé de faire ça, c'est le président Félix. Félix azana pression na simango na ya ba Congolais. Na mutu na ye, azana pression ya bana Congo ya ba lobby. Tout organise nous. Comme ça, nous allons taper les Rwandais. Rwandais, kakamboka muke. Les Congolais sont prêts pour en découdre. Et qui a animé cet sentiment-là? Nani mutu a animé ce sentiment-là? C'est là où je suis en train de vous dire que moi, je me dis, le gouvernement a commis des erreurs. Est-ce qu'il faudrait-il que ndenge ye moko Félix alobaki que toskenda ki na ba erreur? Ne faudrait-il pas reconnaître que même na dossier oya ba M23, il y a des erreurs que nous avions commis, que nous devons corriger avant que to banda kokokwatize kaka moto na koloba tokende kaka bitumba po tokende kaka bitumba. Tshisekedi a fait croire aux Congolais que non tokoki kobeta batuana baza eloko moko te. Ye moko alobaki alobi Aza yuma te batouana yako negociata na M23 te. On veut l'en découdre. Et la population l'a adopté. Si, population za ko sapotye. Si tu vas du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous les Congolais sont prêts à découdre na Rwanda. En tout cas, batounyon, surtout moi, je vous dis, tout le monde est d'accord que nous devons aller en découdre avec Rwanda. Tokende to beta na Rwanda. Tout le monde est d'accord. Ba Congolais pour l'instant na ndenge gouvernement la kisaki bango ke non tozo ko somba boye tozo ko zala boye tozo ko entraîner ba militaire na biso tozo sala boye poto en découdre directement na kamwa Rwanda na tokende ko nyata bango tokende tikuna. Et c'est ça la haine qui est ati o eza ko zala boui eza ko toka na kati ya mitema ba Congolais envers les Rwandais. Et qui entretiennent cette haine? Nani wana eza nani euti wapi? Euti justement na gouvernement congolais. O eza ko kende na monde entier koloba ke non. C'est le Congo, les Rwandais qui nous agressent, tout ça. Makambo tozo vivre awa, c'est parce que les Rwandais nous agressent. Tozali boye, parce que boye, ma assassinat kuna. Nous avons donc diabolisé les Rwandais jusqu'à ce que les Congolais lambda ont compris que non, l'ennemi du Congo, ceux qui tozo vivre boyeza Rwanda. Et alors, à ce moment-là, il faut que nous supportions les conséquences. Il faudrait que nous puissions être à la mesure, y a qu'à répondre, na ba o ba accusation oyo, et puis na tozwa ba décision oyo to appliquer en haut. Allons-y découdre avec le Rwanda. Est-ce que tokokoka? C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. Tozo mona guerre eza ko avancer, te toza kaka na ba résistance. Toza kaka na tozo résister. On a dit à ça que là-bas, oh, résistance, bazar, et ça symbole la résistance. Mes chers amis, allons-nous aller en guerre en résistant? Et nous avions vu la première dame qui vient, qui va venir pleurer devant les gens en disant que non, bon, ata bazui kote kuna, ata etosali semblant à victoire. Est-ce que nous avons besoin d'un semblant de victoire? Tous en a besoin d'un semblant de victoire, Vous aviez dit que Tokoksala toko kende na Rwanda. La population congolaise a accepté ça que oui, tokende. Et le peuple est prêt à prendre les armes. Yangwana bomona ki batunyo so ba wazalendo, tout le monde s'implique que no to beta Rwanda. To sili sanana bango. Mais komi na tango ako sala, et komi promesse. Ça devient une promesse. Obo zelananu. Oh non, toko selo, to solo lananu na Kigali. Oh. Et comme il souma kambo ko solo là. Voilà maintenant la faute la plus grave que Fatshi aza ko commettre na deuxième mandat na oyo. Alors, situation obo komona eko distraire biso, l'est du pays va rester en limbo et puis nous ne saurons pas est-ce que ce gouvernement va travailler. Entre-temps, on fait
Tozoke netambula malembe, on a donné ce pas deux mois à ce que nani informateur na parlement abanda ko kozwa nani kozwa information pour pas dégager majorité. Entre-temps, le 15 mars, première session à parlement officielle fue banda. Donc c'est au cours de ce parlement de cette session là que Moutou Oyo Basali Batindie Nanani na. Et ici je vous parle un peu en parenthèse. Hein. Moutou Oyo yako dégager majorité pour ba nommer premier ministre. Moussala nae justement kozala et kokendeti presque avril. Parce que c'est deux mois renouvelables. Donc tozana mois ya février à mars et puis mars à avril. Donc on espère que vers la fin du mois de mai. Ou bien tant que session à Libosek aussi là, c'est dès lors que nous aurons un gouvernement, donc le gouvernement peut être installé pratiquement Toloba fin juin. Et là nous sommes encore au mois de février. Bozomo na ndenge tozo benda singa tant ezokende ebele. Donc nata oyo nous ne pouvons pas avoir un gouvernement responsable qui peut engager ou bien quoi que ce soit. Et puis batu baza koloba loba mingi oh non batu a 33 000 le budget que nous sommes en train de travailler que le gouvernement oyo eza kosala nango eza budget oyo votamaka année passée, c'est-à-dire que ils sont encore dans le budget de l'année passée. Makambo akobakisela batu salaire wana il faut un peu, ça c'est une parenthèse. Alors moi je me suis dit qui est gagnant et qui est perdant dans cette histoire ici de Addis Abeba. Yangona bande kolobela bino na lobi Félix, il fallait ayeba est-ce que likambo ndenge aza ko traiter likambo ya est. N'y avait-il pas des erreurs qu'il faut corriger? Oh, à reconnaître ça, qui est na mandat, oh, il faut corriger ma erreur du passé. Tokwe ya lisusu na bambeba ya katite. Moi, je pense que c'est là où il y a un problème. Et que, na loba ki na bino ke solution e ko outa kuna te. C'était une grosse erreur de penser que aucun de kosololana ba groupes armés. Non! Le gouvernement ne peut pas, il doit y avoir une méthode. C'est par là que nous avons intervenu en proposant ce qui suit. La façon qu'il faut causer avec le M23, ça doit être une causerie qui doit nous tendre à la 4e République. Et comment est-ce que nous pouvons préparer ça? C'est justement en faisant appel à tout le monde. Ce que le président de la République devrait faire, il devrait s'humilier en disant « Bandeko ». Ngai na kosolola kaka na ba Congolais, na kosolola na mopaya te. Batu ya liboso oto kosolola na bango eza ba candidat président de la République. Tous ceux qui ont été candidats à l'élection passée, tokutana nanu to solola. Voilà un peu les propositions concrètes que moi je suggère à Fatshi. To créer cadre moko au Fatshi. A expliqué bango alobi bandeko tozo kende mabe mboka na biso ezo kende mabe mboka oyo naza le seul personne te mutu oyo na kokiko bongisa yango mais avec le concours de tous les Congolais poto silisa ba makambu nyoso tu o eza kosalema boya to solola proposition na ngai eza nini poto solola bino. Voici moi je pense que nous devons refonder le Congo parce que refondation à Congo na pe ekota na discours na ye na yoka kiango pe pa ya muya ya tout ça. Refondons les choses tous à l'ensemble, tout réfléchir comment est-ce que nous pouvons corriger les problèmes fondamentaux. C'est comme ça que moi je me suis dit à se humilier à solola na batu to bimisa programme moko ya masolo ya Congo, c'est-à-dire que les états de lieu de chaque territoire, donnons la parole à tous les Congolais et organisons les forums que j'appelle les états de lieu de chaque territoire dans tous ces territoires du Congo. Au même moment, on peut dire par exemple que non, à partir du mois de juin jusqu'au mois de décembre cette année, les Congolais devront aller causer. Bako solo la nini? Bako solo la sur
une nouvelle constitution qui devrait en principe, après 2 ans ou 3 ans, tout le canard référendum. Même si ce mandat ici, je peux la terminer, gouvernement, on a kosala, moussala n'a ngwe kosala, to conduire dans nos dialogues inter-congolais pour une nouvelle constitution. Nous avons intérêt à poser des bases qui vont amener la paix et qui vont amener la quiétude. Et moi, je pense que ce sont les états de lieu qui peuvent nous aider à ce que le Congolais se parle en face. Batuo Bazana Masisi, on amène un groupe de 300 Congolais qui vont se mettre. Batuo Bazana Babanani Nabana Niragongo, on amène un groupe de 300 Congolais qui vont se mettre dans le territoire de Niragongo. Na territoire à Walikale, je ne sais pas comment, kuna batu 300 personnes bavandi, ils vont réfléchir sur quoi? Ils vont réfléchir, un, sur une nouvelle constitution, et deux, comme mission, il y a identification et la population. Bandeko, voilà un peu le chemin que moi je me dis, comment est-ce que nous pouvons terminer les dialogues. C'est ainsi que Congolais nyoso, oyazana problème, il y a Kolobake, non, moi je voudrais exposer pour mon pays, les M23 vont aller là-bas, là où ils sont. Na ba zone wana oyazana ba groupe armé, tous ces groupes armés seront appelés parce que za batu boyebani bino moko bolobi ke non bisonde awa eza pa na biso tozai pa na biso awa ba kodeko kuna place ba sala ka ba bengana ba participer na ba conférence wana ya koloba notre point de vue c'est ça tolingi boye tolingi abcd tolingi to corriger awa makambo a Kinshasa koyaka ko imposer biso makambo a tolingi ngol susute nous allons coucher ça comme notre proposition ba réclamation na biso ainsi batuana tango ba kosili sa misala musala wana surtout ya constitution asika ba komema ba résolution wana na niveau ba province et c'est de là que les gens seront désignés des gens intellectuels ba parce que batubaye bani les intellectuels de chaque province de chaque territoire seront amenés par exemple pour les 300 personnes on s'est choisi on s'est dit tozo ko linga to tinda siko bato ba ko accompagner texte na biso ba kende ko défendre ngona niveau à province. Tango bako kende nango, ils sont désignés au niveau des provinces. Ba province na siko, il faut harmoniser les textes selon les provinces. Ba idée outil na ba territoire et na ba province, ba harmoniser ba texte. Et maintenant, ils vont se choisir aussi un certain nombre de ces gens-là, na chaque province, yango bako tinda na national pour que to harmoniser siko ba texte, yanani na biso nyonso. Voilà un peu la proposition autoza ko proposer awa. Avant que to kende musika bandeko soko ozana nous abonner te na chaîne oyo. Je profite pour vous demander de vous abonner parce que si j'ai oza intéressant et nous sommes en train d'expliquer ça na bimisi ngo na réaction alelo pona nini parce que je crois la semaine prochaine autozo banda na réflexion. Je vais encore expliquer ça. Comment est-ce que ça peut se faire? Et c'est une proposition que nous proposons à Mukwantombolo. Consumili. Le problème du Congo est en interne. Ceux qui t'ont organisé, qu'on dégagé, bah, solution à biso en interne. Vous allez voir que même la communauté internationale va commencer à nous soutenir. Voilà. Je vais m'arrêter là aujourd'hui en espérant que vous êtes en train de vous abonner. Vous êtes en train de partager aussi nos émissions. Portez-vous bien, bon dimanche et donc bon début de semaine pour ceux qui me suivent le lundi. Au revoir et passez une bonne journée et une bonne nuit pour ceux qui me suivent la nuit. Au revoir.